Bonjour les amis. Bonjour les amis. Regardez. Voilà, je suis là. Ça faisait longtemps. Je ne vais peut-être plus l'appeler l'ange blond, mais je vais l'appeler le démon blond. Parce qu'elle me casse les pieds, les amis. Elle veut mon bien. Exactement. Alors je vais vous dire, tout le mois de juin, on était bien sûr à Paris, on a fait pas mal de choses et c'est vrai les que là, il, les voilà les rencontres. Etc. Il a quand même un petit peu exagéré et moi, beaucoup. Bien sûr, ça me fait très peur. Alors je suis toujours derrière lui quand il va dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Enfin, je passe pour la méchante, mais c'est pas non, grave t'es pas parce la que méchante. C'est. J'ai envie de le garder encore très 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 longtemps, merci hein, mon chéri. Mon cœur. Voilà. Alors voilà, alors je sais qu'il passe énormément de temps dans les recherches, sur Internet, mais ce que j'aimerais, c'est surtout, et il aide, il aime, il... Je bégaye. Il aide surtout, il aimerait aider le monde entier. Bon, c'est pas possible, mais j'aimerais qu'il prenne un peu plus de temps pour lui et qu'il s'occupe de lui. Parce qu'il ne s'occupe plus de sa petite femme, il ne s'occupe plus de sa famille. Alors moi, je suis toujours de côté, donc je fais ma petite vie tranquille, toute seule. Non, puisque tu n'es jamais là. Pas, hein. Oh, t'es pas souvent là, chérie. T'es bon. Souvent sur ton ordinateur en train de faire, bien sûr, des recherches. Je te fais aucun reproche. Bon, quoi qu'il en soit, je l'écoute. Alors, elle m'a convaincu de refaire 3 jours voilà, de jeûne. Après avoir mangé raisonnablement. Voilà, alors, aujourd'hui, le pauvre, regardez ce qu'il va manger. Alors, un tout petit bout de chou. Elle m'a préparé. Un poivron. Ils sont vachement bons. C'est des poivrons espagnols. Ouais. Ah, c'est mexicain? Ouais, c'est ah bon. Bizarre. Hein. On doit acheter des trucs locaux. Alors, vraiment, très peu de choux, un œuf. Voilà. Et un avocat. Et voilà un avocat. Son repas d'aujourd'hui. Et à partir de ce soir... Je vais grignoter ça, cru, voilà. Comme ça. Il va recommencer un jeûne de 3 jours. Voilà. Mais là, il a déjà redégonflé un petit peu. Je suis contente parce qu'il exagère moins. Enfin, voilà les amis, c'est pas facile. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il soit là. Et j'aimerais qu'il s'occupe un peu plus de lui et de moi. Alors, remerciements. Remerciements à tous les gens qui m'aident. Et en particulier... à notre amie Nat Océane. Merci Nat, et on t'envoie plein de bisous. Voilà, donc nous avons décidé ensemble, pour rendre plus accessible le livre « Ma croisade contre le cancer », à descendre le prix à 3,99€. Accessible à tout le monde. Voilà, et en plus, vous le savez les amis, rien pour Nat, rien pour moi. Tout va à notre association Loi 1901, Survivre au cancer. C'est le micro, ça, Dominique. Hein. Mais c'est tellement doux, ça, envie mais de oui, caresser. Mais oui, mais on va entendre. Et donc, Loi 1901, non-profit, c'est-à-dire aucun, rien, absolument pas un centime pour qui que ce soit. La seule. Le seul argent qui va être pris, je suppose, ça va être la TVA et la commission d'Amazon. C'est tout. Tout le reste. Bon, ben voilà les amis. Comme vous voyez, nous avons... Beau temps. Ouais, il fait beau. Et ben voilà les amis, on vous souhaite une excellente journée. La nôtre sera bonne. Et puis, à bientôt. Et je vous envoie plein de petits bisous. Merci les amis. Alors oui, mes amis, je vais vous reparler de nos livres parce que c'est la manière la plus simple. Vous êtes des milliers à me poser des questions et à ces questions, je ne peux pas répondre individuellement. Donc Fred, notre ami Fred, dans notre nouveau livre, vous a demandé de poser les questions en dessous de la vidéo que nous avons faite ensemble. Et de cette manière, nous allons mettre un chapitre supplémentaire pour expliquer aux gens, pour répondre à leurs questions, puisque c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et toutes ces questions, elles sont déjà répondues dans mes vidéos et dans mes livres. Alors oui, les amis, je pense que ma croisade contre le cancer, c'était mon premier livre. Que c'est quelque chose qu'il faut absolument lire parce que c'est ce qu'il va vous donner. Ce livre donne la niaque.
ce livre donne la volonté de survivre. Ce livre, comment Nat a su arriver à traduire mes pensées, c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est comme disent les Américains, helpful. Donc, lisez-le en même temps. Vous aidez la recherche et vous allez trouver tout ce qu'il faut faire sans vous poser de questions. Et s'il y a des questions, eh ben, vous me l'écrivez et on corrigera le livre de manière à ce que les réponses à ces questions soient incluses. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.